Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est que le milieu de la semaine et je suis fatiguée. En fait j'ai tellement mal dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai peu dormi parce que je me suis couchée tard et levée très tôt. Et puis après j'ai repris le boulot. Voilà, je cherchais. Et en fait, j'ai encore très peu dormi puisqu'il y a eu les jeunes qui m'ont empêché de dormir jusqu'à 1h30 alors que je me levais à 6h. Et cette nuit, en fait, je suis encore allée me coucher à minuit pour me lever à 6h. Enfin, j'aurais dû mettre mon réveil à 6h30 parce qu'aujourd'hui, je devais pas me laver les cheveux et j'ai complètement zappé. Donc il a sonné à 6h, je l'ai remis à 6h30, mais enfin, j'avoue, je suis claquée. Donc j'espère que ce week-end, je vais pouvoir me reposer parce que pour l'instant, j'avoue que j'accumule un peu de fatigue et c'est dérangeant. Voilà. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à cadrer pour avoir de l'ombre sur le visage. J'espère que vous me verrez, vous. Moi, je vois mon écran, mais je vois aussi le soleil qui me tape dans l'œil. Donc, je me dis, ça se trouve, ça perturbe les couleurs. Les couleurs, oui, je vois bien. Mais donc, aujourd'hui, on est mercredi. Moi, je retourne au boulot. Les enfants du coup sont à la maison avec Florentin. Du coup, je vais partir travailler et puis je vous reprendrai en rentrant. Je vais avoir du ménage à faire, je vais avoir de la couture à faire ce soir. J'ai pas le droit. En fait, j'ai pas le droit de repousser encore à demain. C'est pas possible. Il faut absolument que je fasse les pochettes à savon ce soir. Les pochons, je pourrais les faire demain ou vendredi, puisque la commande est arrivée après. Mais les pochettes à savon, il faut absolument que je les fasse ce soir. Je pense pas en avoir pour longtemps, mais il faut vraiment que je les fasse. Donc, ça sera mon programme de la soirée. Du coup, je vais vous laisser et puis je vous reprendrai ce soir quand je rentrerai. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'école, donc du coup, je rentrerai directement à la maison. Voilà, bon, c'est parti. Bon, je vous reprends, il est 17h13, hein, de mémoire. Mais en fait, ouais, exactement ça, 17h13. Je suis dans la cuisine, je suis venue pour ranger un petit peu. Ah bah tiens, je cherchais mon huile hier soir. Elle avait disparu, elle est dans la cuisine. Donc je vais ranger un petit peu, j'ai un peu de vaisselle à faire. Et puis, comme ça, après je vais pouvoir laver le sol parce que c'est une catastrophe dans la cuisine. Dans la salle, ça va, il est juste... J'ai rêvé ou t'as roté? Non. Ah bon, pour moi. Du coup, ouais, je suis rentrée il y a moins d'une heure. En fait, cet après-midi, j'étais pas à l'atelier. J'allais dire à l'usine, on n'est pas à l'usine non plus, faut pas pousser. J'étais pas à l'atelier puisque, en fait, on m'a demandé de faire des livraisons. Donc, du coup, je suis partie avec la voiture de l'entreprise. Et puis, j'ai fait 3 heures de voiture. Je suis d'abord partie à Cholet, qui est déjà à une demi-heure de mon boulot. De Cholet, je suis partie à 55 minutes de mon boulot. Et du coup, j'étais à 1h10 de chez moi. Donc, comme je devais rentrer directement, donc là, je suis rentrée avec la voiture d'entreprise. Et je la rendrai demain matin. Ma voiture est restée sur le parking. C'était absolument pas prévu, hein, sinon je me serais fait emmener, je pense. Mais c'est pas grave, en soit. Je pense pas que ma voiture craigne quoi que ce soit à rester là-bas. J'espère qu'on va pas me voler mes sièges auto. Mais voilà, mais non, il n'y a pas de danger, je dis ça. Donc du coup, c'était sympa, ça m'a changé un petit peu d'aller me balader comme ça. Donc je suis contente, j'ai reçu ma... Tiens, va chercher dans l'escalier, il y a ma commande chine. D'accord. Je ne l'ai pas montée encore. En fait, je ne sais plus si je vous en avais parlé, que j'avais passé une commande chine, c'était le mois dernier en fait. Et je ne l'avais pas reçue, ça m'étonnait, non, il m'avait dit... Il y a juste ce sachet. Il est plein. Non, mais ça, je les garde en fait. Pour quand j'ai des valises à faire, c'est pratique de pouvoir mettre les sous-vêtements, machin. Bah oui, mais en fait, il est rempli parce que comme j'utilise... J'ai reçu... Alors, je vais vous montrer grossièrement un ensemble de sous-vêtements, voilà. J'avais commandé ça le mois dernier, en fait. Et ça m'avait dit livraison début juin, mais je croyais que c'était le 14, donc je les attendais pas du tout aujourd'hui. Et en fait, j'ai tout reçu aujourd'hui. Maman, il y avait une tomate qui avait poussé, mais les chiens l'ont pris... De quoi? Il y avait une tomate qui avait poussé et bien sûr... C'est pas une tomate, c'est une cerise. Hein? C'était le jardin. Parce qu'ils ont dû la piquer là-bas, il y a les cerises du voisin qui ont dû tomber. Hein? Ah oui, alors c'est trompé. Bref,
du coup, en fait, c'est une rouge. Elsa, tu vas filmer? Ouais. Donc, c'était essentiellement des sous-vêtements, des pyjamas et un peignoir. Donc, le premier pyjama, du coup, bon, je suis un petit peu déçue parce que je trouve le top un peu court. Donc, pour moi, ça va être un peu court, n'est-ce pas? Bah, Nelly, ce sera bien. Ça va laisser passer mon gros bidon, et tant pis. Donc, ça, c'est un premier top avec le short qui va avec, donc premier pyjama. J'ai un coup de cœur phénoménal pour celui-ci. Mais il n'y a que le top. Mais non, j'ai le short aussi. Et le short, en plus, il est super bien coupé. J'adore la coupe du... J'espère juste que les seins vont rentrer dedans. C'est vrai qu'il est beau. Ouais. Et le short, il est super bien parce qu'il descend vraiment sur la cuisse, en fait. C'est pas comme... celui-là, j'avoue, j'ai pas trop regardé, mais normalement, ils descendent pas trop sur la cuisse. Ils sont assez courts, ouais. En fait, celui-là, il remonte devant, alors que l'autre, pas. Donc, du coup, je suis assez contente. Le noir, un peu moins, mais je le mettrai quand même, hein, ça change rien. Et puis, j'ai commandé ce peignoir. T'es déçue. Ouais, je suis un peu déçue. Je le trouvais plus beau sur la photo. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait du vert dedans, qu'il était déjà plus foncé et que dedans, il y avait du vert. Mais en fait, non, je me suis trompée. Bah non, il est joli, hein. Moi, j'aime bien. Donc, voilà, il est pas bon à mettre avec la ceinture. T'as des trous, maman, pour enfiler la ceinture. Oui, je sais, mais là, c'est pour montrer. Voilà, en tout cas, il est bien couvrant, déjà. Donc, même si je suis en mini-short, j'aurais pas les fesses à l'air, ni les jambes à l'air, ni le décolleté. Voilà. Je suis contente de ma commande. Je pense que le peignoir, par contre, j'en commanderai un autre parce que celui-là... J'aime bien la coupe, j'aime beaucoup la coupe, mais par contre, je sais pas, le motif, je suis un peu déçue. Donc, c'est pas grave en soi. Hein. Il n'y a pas péril dans la demeure, comme on dit, mais ouais, on verra par la suite. Du coup, bah, je suis hyper contente, c'était la surprise du jour parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça aujourd'hui. En fait, il y a Eric qui s'est commandé une nouvelle carte SIM, mais du coup, il n'arrête pas de me demander tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Donc, je vais voir au courrier tous les jours, en fait, pour ça. Et là, je suis tombée sur ma commande. Livraison surprise. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, je vais les laver. Pourquoi tu vas les... Ah bah oui, parce qu'il y en a qui l'ont touché. Bah oui. Puis c'est... Enfin, je sais pas ce qu'il y a dessus. Hein. Je vais les laver et puis... là, je vais m'empresser de les porter. Oui. Voilà. Du coup, bah là, je suis donc partie dans la cuisine pour ranger un petit peu. Ranger, nettoyer, et puis après je vais regarder ce qu'on va manger. Il y avait Laura qui m'avait invité à aller chez elle ce soir, mais j'avoue que les enfants ont l'école demain. Du coup, ça ne m'emballe pas des masses d'y aller maintenant. Je me dis qu'il est déjà, enfin, il est parlant, il est pas tard, il est 5h20, mais moi j'ai du boulot à la maison, donc je vais pas y aller ce soir, mais je vais essayer de voir avec elle si on peut convenir d'un autre jour. Ouais. Je crois, je suis pas sûre. Mais quelle année? Bon, les enfants sont partis jouer dans le jardin. 49. Bon, bah, c'est bien. Anaïs m'avait dit qu'elle ramasserait les cacas de son chat sur la terrasse parce qu'en fait, c'est Doudou qui prend la terrasse. Pour les... Chut, pourquoi tu cries? Tout le monde crie. C'est génial. Bon, je viens faire un petit tour dans mon potager. Ah, ça fleurit la coupe de pied de courgette. Oh, il y a une bébé courgette! Faut que je vous montre! Il est tombé. Oh, oui, la courgette. Moi, j'en ai même pas vu. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Il y en a deux même. Regarde, il y en a. Ouais, là, il y en a. Oh, bah là, il y en a trois qui. Alors, attendez, il y a combien de? Ouais, mais après, il y a des fleurs aussi. Donc, lesquelles sont des fleurs? Lesquelles sont des? Aucune idée. Viens, les gars. Oh, c'est excellent. Il y a déjà trois courgettes à venir là. Donc ça, c'est top. Par contre, la petite jaune. Par contre, la petite jaune, pour l'instant. Il n'y a pas de pouce. Mais... Ah, ça va venir. Ah, oh, si, ça vient. Il y a des bourgeons. Il y a quoi? On va lui laisser le temps de grandir. Bon, le pied de melon, pour l'instant, il est encore tout frêle. Ouais. Le pied de tomate, il est mal accroché. Donc, par contre, il a bien poussé, celui-là. Ouais. Et là, là aussi, on a des bourgeons. On va avoir des tomates. Là, on n'a pas encore de... Mais par contre, celui-là, il est détaché. Bourgeons. Hop. L'autre, il est détaché. Là, il faut le remettre. Qui c'est qui a enlevé les crochets? Je sais pas. Bon, je vais m'occuper un petit peu de mon potager. Vous le voyez, le petit garçon là-bas? Il y a 2 minutes, il avait posé son petit... En fait, il a dans la main le lecteur MP4 d'Elsa. Il l'avait mis là, sur le pied, il en fait. Il plus bien, je m'en sors plus. Oui, en fait, il sert à rien, il marche plus.
Mais il s'est pas bien. Et il était en train de vlogger, en fait, dans le canapé. Il avait mis son petit truc, voilà. On fait le, vas-y, montre comment t'avais fait tout à l'heure. Vas-y, va t'asseoir, mais quand même. Comment tu fais? Bah, rien. Vas-y, vlog. Vas-y. Oh, je sais comment. Je sais plus comment. Alors, tout à l'heure, on avait à droit à... Hello, les amis. Bon, alors, maman, elle est en train de faire ça. Du coup, moi, je vlog. Bon, bah finalement on n'est pas prêt de manger. Pourquoi? Puisque en fait il y a déjà plus de pâtes. Donc enfin on veut pas de légumes. Moi j'ai pas envie de manger des haricots au beurre. Donc je pense que je vais demander à Anaïs de ramener un truc parce que et encore je pense qu'elle pourra pas. Je vais quand même pas retourner en course. Puis... aussi, elle a oublié son dessin. Mais c'est pas grave. Mais je vais peut-être être obligée de retourner en course, quoi. Ça me saoule. Le dessin, d'ailleurs, il est où? Le dessin. Il est où son dessin? Il est où son dessin, d'ailleurs? J'en ai marre. Quoi? Je vais pas manger. Ou alors, je vais juste à la boulangerie chercher du pain et on fait des hot dogs. Ah, c'est une bonne idée, ça. Je vais chercher du pain. Bon, je vous reprends, il va être bientôt 20h. Je vais mettre mon linge au séchage. Ouais, il est 20h-5. Donc, là, on a terminé de manger finalement, donc on s'est fait des hot dogs, une baguette de pain, des knackis, du ketchup, et c'est réglé. Donc, tout le monde était content, évidemment, hein, genre de repas que tout le monde apprécie. Rapide, facile. Donc bah, du coup là j'attends que les enfants terminent parce que je vais les emmener au lit. Ensuite je vais ranger. Je vais nettoyer mes housses de chaises ce soir parce que en fait mes chaises elles sont dans un état pitoyable, mais alors les housses. Donc ouais, je vais nettoyer, je vais enlever les housses d'abord parce que du coup ça me met des petits. Comme les chats font leurs griffes dessus à longueur de temps. En fait, en dessous les housses, il y a des morceaux de simili-cuir. Donc, quand j'enlève les housses, ça me fait des petits morceaux noirs qui tombent partout. Donc ce soir, je vais les enlever, je vais les passer à la machine. Et puis, je les mettrai sécher demain matin. Voilà. Ou ce soir, si j'ai le temps. Il faudrait que j'aille les lancer maintenant. Comme ça, ils seront finis avant que j'aille me coucher. Je pourrais les remettre demain matin. C'est peut-être ça l'idée. Elsa, enlève les housses de chaise, s'il te plaît. D'accord. Je vais aller les laver. Mais après, tu une fois que j'ai terminé. Non, mais c'est bon, au pire, tu prends la chaise pliante si tu veux pas t'asseoir sur les chaises. Donc, je vais aller les lancer, comme ça, au moins. Tu montres l'état des chaises, au pire. Ça ferait. Ça sera fini. Avant que j'aille me coucher. T'as une dent qui bouge? D'accord. Il saigne des dents, mais j'ai pas compris. Ah, j'ai perdu ma dent. Ah, t'as perdu ta dent? Ah, je suis encore bonne pour filer 2 euros. La monnaie, allez, filme ça. D'accord. Bon, bah, comment encore perdu une dent? Attends, je vous montre. Non, ça va aller. Je vais vous montrer l'état de mes chaises par contre. Ça vaut le détour. Vous allez halluciner. Mais là, c'est voilà. Le passé qui bougeait le plus. Voilà. Le travail des chats. Ouais, le travail. À la base, c'était des belles chaises. Mais maintenant, c'est une catastrophe. Sauf que, non, papa, il t'a donné 2 euros. Il t'a donné 4 euros parce qu'il t'a donné 2 euros pour lui et 2 euros pour moi. Tu me dois 4 euros sur le coup de la deuxième dent qui se revend tomber. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Donc voilà, l'état des chaises, c'est une catastrophe. J'avais acheté des housses en tissu sur Wish, là, les housses noires. J'en ai eu 6 pour 16 euros, donc j'étais très contente. Et franchement, elles sont top. Je pense que j'en recommanderais pour avoir
du réassort. Parce qu'en fait, j'en ai eu 6 alors que j'ai que 4 chaises. Mais du coup, il m'en manquerait 2, quoi. Donc si j'en recommande 6, bah, ça me fait 3 jeux. Ce serait pas mal. Avec les porcelets que j'ai à la maison, ce serait pas du luxe. Donc là, du coup, je vais lancer les housses et la nappe. Comme ça, c'est réglé. Alors là, il y a une serviette qui est pourrie par terre. Je vais la lancer aussi. Je vais rajouter celle-là aussi. Alors ce matin, je me suis rendu compte que j'avais une fuite à la baignoire. Et je ne sais pas où. C'est pas vraiment une fuite. C'est en fait, c'est ça. Au niveau du joint ici, là, ben ça n'a pas vraiment l'effet que ça devrait. Du coup, bah, j'étais déçue de voir que l'eau coulait. Mais bon, je me dis, je suis pas chez moi, c'est pas très grave. Oh, bah, dis donc, je vais y arriver. Donc voilà, du coup, bah, je vais vous laisser maintenant. Puisque je dois encore monter tout ce vlog. Et puis, bah, ce soir, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Et là, c'est vrai que comme je suis active depuis tout à l'heure, je ne suis pas hyper fatiguée, en fait. Donc, je ne sais pas. Si, j'ai dit ça, mais en même temps, avec le temps que je mets à monter mes vlogs. Donc maintenant, je vais aller lancer. Maman, je peux la manger. Sèche-linge. Bah, oui, tu peux la manger. Non, tu le laisses rentrer, s'il te plaît. D'accord. On est de mieux en mieux, quoi. Il est où? Il arrête pas de sortir. Il fait... En fait, il fait tout. Bon, je vais avoir des conflits à gérer. Hop, je lance mon sèche-linge. Comme ça, il va tourner. Il va tourner le temps que je fasse mon vlog. Et du coup, bah peut-être que je pourrais plier le linge pendant le rendu. Et comme ça, je pourrais le ranger avant d'aller me coucher. Hop là, excusez-moi. Bon, ben voilà. Du coup, je clôture maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao.